principalement la formation Microfact en analyse des performances financières destinées aux directeurs généraux et aux directeurs financiers. Parce qu'à ce niveau, il faut être à un niveau de décision un peu plus élevé pour prendre les décisions à partir de l'analyse des performances que nous voyons à travers les chiffres, l'histoire qui se trouve derrière les chiffres. Il faudrait que des décisions soient prises et quand on n'est pas bien placé, on pourrait avoir du plomb dans l'aile dans les mesures à prendre pour corriger les lacunes qui sont. L'atelier a été organisé en collaboration avec la CIF. Je suis le responsable de l'inspection de la CIF. C'est la CIF aussi qui m'a envoyé pour suivre la formation des formateurs. Et donc, pour organiser en tant que point focal, je dirais, de Microfact au niveau de Burkina. Je suis resté en contact avec les réseaux membres qui sont 6 établis dans 5 pays. Si tu permets, je les rappelle au passage. Il s'agit du RCPB, le réseau des caisses populaires du Burkina, qui est le plus gros réseau de la CIF. Et il s'agit de la FUSEC Togo, qui vient en deuxième position en matière de taille, qui se trouve au Togo comme son nom l'indique. Le troisième réseau en matière d'actifs, c'est la FUSEC Bénin qui se trouve au Bénin, ça fait le troisième pays. Nous avons deux réseaux au Mali, il s'agit de Kafodji-Guinée et de Nessie-Bissau, qui sont tous établis au Mali. Et enfin, le Pamekas, qui fait le cinquième pays où nous intervenons, et donc établi ici au Sénégal, où nous pouvons actuellement pour la semaine africaine de la conférence. Microfact offre l'avantage de parler même pas l'outil. L'outil parle en lui-même, même si vous n'êtes pas analyste, rien qu'à voir les graphiques qui vous sont renvoyés après que vous avez complété la fact sheet. Je crois que c'est déjà un plus, et si vous êtes un homme averti, vous pouvez aller au-delà et prendre les dispositions qu'il faut. Donc, comme on le dit, c'est un outil qui vous permet de regarder sur 5 ans. Donc, c'est un horizon temporel de 5 ans, donc je dirais que ce n'est pas statique, c'est dynamique. Parce que vous voyez l'évolution de vos indicateurs en un seul coup d'œil. Les échos sont très favorables et j'invite donc tout le monde à vraiment être curieux, à y participer. Ils ne regretteront pas et ils trouveront que c'est avantageux pour les institutions.